tous, je suis Solène Rio, j'enseigne les flûtes à bec à la Cité des Arts de Chambéry. La famille des flûtes à bec est une très vaste famille qui prend parfois des formes étonnantes, comme par exemple cette flûte double qui est en fait composée de deux flûtes réunies à l'intérieur d'un même instrument. Ces instruments sont très anciens, ils sont joués depuis l'Antiquité, depuis même la Préhistoire. On utilisait au début de l'humanité des instruments qui étaient faits dans des os. Ici, une petite flûte à trois trous qui est faite dans un os qui provient de l'aile d'un cygne. La fréquence est très aiguë. Plus l'instrument va gagner en longueur, plus il va sonner grave. C'est ainsi qu'on a fabriqué, dès la fin de la Renaissance, des flûtets qui se jouaient avec une seule main et qui étaient accompagnés d'une percussion. Je vous fais entendre tout de suite une estampille royale. Mais la flûte à bec, vous la connaissez bien entendu sous une forme qui est plus commune, c'est la flûte à neuf trous. Voici donc une flûte soprano. Se déclinent dans toutes les tessitures de l'orchestre ou des voix humaines, la flûte à bec alto qui est légèrement plus grave, la flûte à bec ténor ou bien encore la flûte à bec basse ou la flûte contrebasse. Je vous invite donc à venir découvrir les flûtes à bec le samedi 22 juin à la Cité des Arts de Chambéry, au 4e étage, en salle 410. À bientôt!